Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un let's play sur la PlayStation 2. Pour une fois, la PlayStation 2 est ressortie du placard là depuis un petit moment. Et là on est parti pour un jeu légendaire, un jeu épique, Rayman Revolution. Donc Rayman Revolution est tout simplement la dernière adaptation, ou enfin Rayman 2 a eu tellement d'adaptations qu'il y en a même eu sur DS et sur 3DS, un Rayman 2. Même si moi je dis la dernière adaptation, la véritable dernière adaptation, c'est Rayman Revolution, voilà. Parce que c'est là où on a vu tout le potentiel du jeu. Parce que Rayman 2, la première version de Rayman 2 est sortie sur N64 et PC en même temps, je pense. À peu près en même temps. Mais je pense que de base c'est un jeu PC et un jeu absolument magnifique hein, pour son époque et qui reste toujours magique. Il restera toujours magique ce jeu. Donc on va faire une nouvelle partie parce que j'ai déjà une partie de créer mais j'avais pas fait grand chose. C'était un peu pour tester le jeu. Et je viens de remarquer que le jeu n'est pas très fluide, ce qui est dommage. Mais bon, tant pis. Pourtant j'ai vu dans les commentaires sur jeuxvideo.com, c'était un jeu plutôt assez fluide et je sais pas. Moi je le trouve pas très fluide, hein. Ça tient dans les 25 images par seconde, donc je dirais à peu près ça, donc c'est pas terrible. Donc je vais vous laisser la cinématique. Magnifique cinématique avec les voix en français. Regarde ce que les pirates ont fait du monde. Une terre d'angoisse et de douleur, hantée par le mal. Un enfer, parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils t'ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage. Les robots rôdent en quête d'innocents à capturer. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. Les mille looms d'énergie qui le forment se sont dispersés. Nous nous affaiblissons. Bientôt il sera trop tard. Échappe-toi, Rayman! Tu es notre dernier espoir. L'écumeur, vaisseau prison des pirates, sous les ordres de l'amiral Barbe Tranchante. Esclaves à bord, 19 000. Réveille-toi, Rayman. Je t'envoie de l'aide. Incroyable! Je sens son énergie entrer en moi! Le boss, descendez!
Donc c'est comme ça que nous commençons dans cette aventure épique. Donc bah, comme vous pouvez le voir, la VF, faut dire ce qu'elle est, elle est pas tip top. C'est un peu vieilli. Et donc oui, je disais juste avant que le jeu est sorti en 99 sur, je crois fin 99, sur PC N64. La version N64 avait quelques points faibles, hein, comme par exemple la bande son et aussi les textures qui sont un peu plus floutées que la version PC qui est bien mieux. Sur la version PC avec je pense qu'elle avait le son en orchestral, quoique je suis pas sûr. Alors c'était pas de l'orchestral, mais c'était du son MIDI, mais c'était quand même un peu mieux que la version N64 qui elle a du son MIDI, mais c'est, il y a vraiment presque, on va sauvegarder, il y a vraiment presque pas de d'instrument. Ça met beaucoup de temps à sauvegarder, par contre, la version PS2. C'est... Et puis, il y a des temps de chargement en plus. Hein. Bien sûr, sur N64, vu que c'était sur cartouche, il n'y avait pas de temps de chargement. Sur PC, bah, c'est sûr, je pense que les temps de chargement sont très rapides. Ça ne change pas l'habitude du PC, bien sûr. Temps de chargement qui se font direct. Et... par la suite, il y a eu une version Dreamcast qui est sortie pas très longtemps après, je crois 3 mois après ou un truc du genre. Il y a une version Dreamcast et il y a une version PlayStation 1 qui est elle la version la moins jolie. Vu que voilà, il nous explique des trucs, mais bon, je pense qu'on sait ce que c'est cette dalle, hein. C'est pour l'appeler. On va passer, j'ai un peu la flemme de faire sa voix chelou. C'est vrai qu'il a une voix vraiment chelou. Je trouvais déjà sa voix chelou dans la version DS là, parce que la version DS, il n'y a pas de... En fait, la version DS, c'est la version PlayStation 1, mais en ayant la même bande son que la version N64. Donc là, c'est la pauvre version DS, quoi. c'est la moins bonne version. Pas de bol. Oui, parce qu'il y a une version PlayStation 1, la version PlayStation 1 c'est orchestral mais avec des graphismes, bon, c'était pixelisé de partout, mais bon, en même temps c'est la PlayStation 1, faut le dire, c'est comme ça, c'est qu'une 32 bits. Par la suite, il y a eu la version PlayStation 2, la version Dreamcast je crois est un peu plus belle que la version PC, et la version PS2 est un peu plus belle encore que la version Dreamcast. Bon, un peu plus on va dire, vous voyez les textures, ça vieillit. Mais bon, la version PlayStation 2 est la meilleure. Et il y a eu pas mal de rajouts sur cette version PlayStation 2, pas mal de bonus, et le jeu se veut un peu plus open world. Enfin, il se veut open world. Parce qu'il y a plusieurs embranchements, on peut un peu se perdre, même si je pense que l'ordre des niveaux ne change pas. C'est juste que bah, on risque d'être genre, je sais pas, au niveau 10 d'un coup, alors que bah, on peut pas y aller. On peut juste voir le début du niveau 10. Ce genre de choses, donc ça rend le jeu un peu plus open world. Même si de base le jeu est quand même, il est pas très linéaire. C'est déjà sur la version N64 qui est exactement la même version que sur DS, sauf que la version DS est moins belle. Donc la DS en fait, je pense qu'elle a exactement la même caractéristique que la PlayStation 1, sauf pour le son bien sûr. Donc c'est du son MIDI sur DS. Donc oui, la PlayStation 1 avait voulu bah... Ah, mais ils ont voulu mettre des voix en version française aussi. Mais aussi, bah, je pense qu'ils ont mis toutes sortes de langues, hein, et aussi une version anglaise, bien sûr. Bon, là, je préfère je préfère quand ils ont pas trop de voix, là, quand ils font les espèces de bruitages, les mimiques, hein. C'était mieux. Parce que là, ça fait un peu pitié, la version française.
C'est un peu le point faible de cette version PS2. Parce que c'est, en fait, la version PS2, c'est exactement la version PlayStation 1 au niveau du son. Il y a aussi le son est aussi orchestral, vu que c'est la magie Sony, attention, c'était des jeux en disque. Je pense que c'est pareil pour la version Dreamcast. Comme vous pouvez voir, ils ont fait un effort pour la modélisation de Rayman. C'est incroyable. Donc voilà, vraiment la version PS2 est vraiment la meilleure. Et de base, ce jeu s'appelle Rayman 2 The Great Escape, je sais plus si je l'ai dit. La Grande Échappée. Qui s'appelle, sur cette version PS2, Rayman Revolution. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu. Il est sorti vraiment sur énormément de plateformes, hein, vu comment il est légendaire ce jeu. Bon, je vais vous laisser ce moment culte. Claudie, moi, roi des six êtres, je tiens à te féliciter pour ton courage. Tu n'écoutes pas, je crois, c'est moi. Mais... Ah non, le roi, c'est moi. Mais enfin, qui est le roi? Voyons, c'est moi. Je dois retrouver Globox et Ellie. Vous savez où ils sont? Ce que j'ai à dire est vraiment terrible. Les pirates ont jeté Ellie et Globox en prison. Mais ne t'inquiète pas, rien n'est perdu. Car grâce à l'énergie des 5 looms que tu as ramassés, nous pouvons t'envoyer sur le pont là où sont les pirates. Sur place, cherche le cercle des petits êtres. Nous t'y attendrons avec plein de nouvelles fraîches. Au fait, avant d'être capturé, Lee a laissé un looms d'argent. Tu vas désormais pouvoir tirer avec ton poing. Prépare-toi pour le grand voyage. Donc voilà la particularité, vous avez vu, de cette version de Rayman, cette version de PS2, et bien c'est que bah déjà il y a beaucoup de temps de chargement, c'est le point faible, mais aussi c'est la différence, c'est plus open world bien sûr, et que on ramasse le pouvoir du point là assez tardivement. Normalement on l'a dès le départ quand Globox vient à notre rescousse. Dans toutes les autres versions, mais dans cette version PS2 qui est bien différente, on a, vous voyez là, on l'a plus tard, c'est les petits êtres qui nous donnent ce pouvoir. Ouais, ouais. Hey Rayman, c'est encore moi, Murphy, ton entraîneur préféré. Je vais nous superviser ta première leçon de natation. Ce bébé va te montrer les mouvements de base. Je pense que je double mieux que le doubleur de base. Donc là, c'est un petit tutoriel qui est que dans cette version, encore une fois. Il y a pas mal de rajouts. Voilà, on peut voir comment nager. Alors, on suit le petit Globox. Bon, d'après
D'après le boîtier, il est marqué que Globox a 650 enfants. Ah non, c'était plutôt d'après Wikipédia, je veux dire. Il n'y a pas marqué ça, je crois, derrière le boîtier. Voyons à présent si tu es un bon tireur. Tu vois cet épouvantail devant nous? Garde la touche L2 enfoncée pour rester face à ta cible. Pour lui tirer dessus en tournant autour. Bon. Ah ok, c'est ce truc là. J'avais même pas fait gaffe. Bah, je suis déjà en train de viser avec L2. Mais là, ça nous montre qu'il faut l'avoir encore 5 fois. Bon. Il faut plus bouger, sinon après, bah, il vise n'importe où. Comme là, par exemple. Ah, quoique. Ah, voilà, il vise complètement à droite. Et je sais, je suis Sniper King! À retrouver les petits êtres au cercle de pierre de l'autre côté du pont. Mais pourquoi ça me met select? Retrouver le roi des petits êtres. Ah oui, ok, c'est pour voir. C'est pour voir les objectifs. Et là, comme vous pouvez voir, bah là, on est à un endroit complètement original de cette version. Complètement inédite, voilà. D'habitude ce sont des bêtes très paisibles, mais à présent elles mangent les papillons. Non, c'est horrible. Elles chassent tous les intrus. Fais attention, elles pourraient t'attaquer. Elles mangent les papillons. Toujours un peu d'humour, hein. L'humour d'Ubisoft. Mais ce Rayman 2 se passe dans un univers complètement différent du premier. Dans un univers beaucoup plus, on va dire un peu plus sérieux. Même s'il y a toujours de l'humour. Voilà, bon, il y a notre pote qui défonce tout. Merci Clark. Sans toi, les pirates me capturaient une nouvelle fois. Clark, un personnage que on verra presque jamais. En gros, je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Et voilà, cercle de pierre. Bon, moi, il y a des flèches pour nous montrer où aller. Par exemple, ici, c'est là où on était avant, je pense. Ah non, la clairière des fées, oui, c'est ça. Faut aller à la clairière de la fée Clochette, là. Mais je crois, en fait, que je me suis planté de chemin. Et voilà, dans cette version de PS2, on se paume beaucoup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir aussi, c'est que le jeu, bah, n'est pas très fluide. C'est un peu le problème du truc. Je sais pas si... Enfin, je pense que la version PC, elle doit être marcher 60 images par seconde. Je pense. Après mes vagues souvenirs, quand le jeu était tout bleu. Voilà, c'est magnifique. Et puisque j'ai... À l'époque, je savais pas qu'il fallait installer les patchs pour pouvoir faire marcher le jeu correctement. Ah, j'avais cru que c'était le disque éthéré. Oui, parce que j'ai un peu raconté ma life, mais c'était... À l'époque... j'avais Rayman 2, enfin, c'était chez ma grand-mère. Et elle avait un PC, donc voilà. Bon, c'était pas un PC gamer. Mais je pense que ça pouvait faire tourner Rayman 2, mais voilà, le jeu était magnifiquement bleu. C'était magnifique. Vous voyez que les yeux de Rayman, hein, pour une petite info. Alors, voulez-vous sauver? Oui. Et voilà, donc voilà, c'est un peu le problème de la version PC, quoi. Faut après s'y connaître un peu ou trouver sur le net des patchs pour le jeu. Moi, de base, je me disais, mais c'est le disque qui est rayé, c'est quoi? Pourtant, il est neuf. Je comprends pas. Donc, bon. Après, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Tant pis, c'est... C'est un jeu, comment?
qui a été abîmé par le trajet. Par le trajet de la commande. Je sais pas. Ça pour dire que bah, finalement Rayman 2, je l'ai connu plutôt par la suite en 2005-2004, je sais plus trop quand, quand il y avait la DS. Et donc bah, c'est cette version là que j'avais fait. Il fait que de bouger. J'avais fait pour la première fois. Enfin, c'était là que j'ai fait pour la première fois Rayman 2. Et c'était là que je me suis rendu compte que c'était un chef-d'œuvre. Enfin, que c'est toujours un chef-d'œuvre. La maison Globox. On va lui rendre une petite visite. Hein. Je sais pas si on peut. Comme vous pouvez voir, bien sûr, les textures, bon. Pour de la PS2, c'est faiblard. C'est le tout début de la PS2, donc. Respect. Ah, et bah on peut pas y aller. Moi, je fais un peu une petite visite guidée. Hein. Donc, il repop à chaque fois. Mais je crois que les ennemis verts, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils y sont pas sur DS. On est dès le départ contre des ennemis plus costauds. Sur la DS, on est contre des ennemis violets, des pirates violets. Ils sont bien plus costauds. Ah, c'est là qu'on a l'info pour aller à la clairière de la fée. À la fée clochette. Et donc, utiliser ton cercle, tu peux livrer les indications des panneaux en te rapprochant d'eux. Donc la clairière de la fée est pleine de l'est, on s'en fout. Maison de lit, on s'en fout. Bon, faut revenir. Donc oui, la version DS, on va dire que c'est la moins bonne version. Pas totalement, parce que c'est plutôt la version PlayStation 1, vu qu'il y a moins de niveaux dans sur PlayStation 1. D'après, bon, je vais pas sauvegarder à chaque fois, mais on sauvegarde une petite fois. On est à 1%, hein, c'est beaucoup. Stage 1 sur 10. Bon, on voit pourquoi il y a marqué que 10. J'arrive pas, il y a marqué 25 sur la boîte. 25 niveaux, 25 mondes, au gameplay hyper varié et dynamique, avec un peu de ramage. Ça c'est pas grave. Donc voilà, les lumes bleues, je vois pas trop ce que c'est. Mais les lumes jaunes, faut toujours en ramasser pour pouvoir continuer à chaque niveau. Je sais pas dans cette version PS2 s'il y a vraiment besoin de lumes jaunes. Pour déverrouiller aussi des bonus. Peut-être des artworks, hein, j'en sais rien. Cercle de pierre. Bon bah, la clairière de la fée, voilà, c'est que par là. Donc finalement, j'étais au bon chemin. C'est juste que je me suis découragé et j'ai fait demi-tour. Des espèces de perroquets, d'accord, qui nous écrasent. Je sais pas si on peut les tuer. Enfin, je pense pas. Ils ont pas de barre de vie. Ah, y a que le marécage. Ah. C'est où la clairière de la fée là. Je l'avais trouvé, mais. Parce que j'avais fait une autre partie. Ok, je crois que je suis tombé. Il y a un bateau, est-ce qu'on peut aller dessus? Les pirates ont attrapé mon ami, tu pourrais pas l'aider à s'échapper? Ah si, je peux l'aider. Si le bateau avance. Les pirates ont... Ok. Comme vous pouvez le voir, les effets d'ombre sont bien mieux faits que sur les autres versions.
j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de clipping. Mais... je suis déjà paumé. Pourtant, je l'avais déjà fait, là, il y a à peu près... il y a à peu près 3 semaines, donc... je me dis... j'ai une petite mémoire. Et puis, Rayman 2 a eu également bah, une autre version, encore une fois, et cette fois-ci sur 3DS, qui est la version DS, mais un peu lissée, voilà. Enfin, je pense en gros que c'est niveau de la N64, je crois. Un peu faiblard pour de la 3DS, quand même. Ils sont pas trop foulés chez Ubisoft, quand même. Il est sorti en 2012-2013 peut-être, ou 2011, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 2011, c'était vraiment au début de la sortie de la 3DS. Ah, le Globox, il se fait toujours prendre. Dans la clairière de la fée, juste de l'autre côté du pont. Près de la cascade. De l'autre côté du pont. Je ne sais pas où c'est. Bon, on a vu un petit pont hein, en allant chez Globox. Mais je pense pas que ce soit ça. Ah, bah nous avons la réponse. À quoi servent les lumes jaunes? Ça sert à améliorer nos pouvoirs, mais. Peut-être à déverrouiller de nouvelles compétences. Rebond 1, prix 90. Ouais, je crois que j'en ai pas assez. C'est cadence de tir. Ah oui, c'est aussi une nouveauté, je crois, de la version PS2. Au moins, ça sert à quelque chose, les lumes jaunes, cette fois-ci. Parce qu'avant, je crois que ça servait vraiment pas à grand chose. Peut-être pour déverrouiller des niveaux, je ne sais plus trop. Puits magique. Bon bah, clair de la fée. Bon bah. Je pense que cet épisode va bientôt se finir. Parce que je suis un peu paumé là. J'ai pas trop envie de chercher longtemps pour la clairière de la fée. Donc sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la deuxième partie de Rayman 2, The Great Escape, un jeu grandiose, un jeu que tout le monde doit posséder, car il est sorti sur toutes les plateformes.